On est back. Welcome back, stranger. Welcome, stranger. C'est ça qu'il dit. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on l'a pas encore rencontré. Quelque chose me dit que le marchand va nous faire sa première visite incessamment sous les bons gros pneus. Bon, je vérifie si tout fonctionne. Moi, je capture ce second épisode dans la foulée. Hein. Donc, alors, on va regarder si les poules, qui ne sont plus là, hein. Ok, donc les poules ont toutes disparu. Ah non, elles sont là-bas, tiens. Et donc, du coup, ils nous ont pas pondu des nouveaux œufs, alors. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'œufs, hein. Non, elles sont toutes là-bas. Peut-être que c'est limité. Hein. Ça va, bah alors, les poules, il faut pondre maintenant. Hein. C'est quoi cette charrette? Je n'arrive pas à y croire, ce sont des cadavres. C'est triste. Ouais, mais donc du coup, je pense que pour le collier là-bas, l'espèce de pendentif, je pense que c'est mort. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que je ne peux pas refermer le puits, donc je me suis fait avoir, voilà, tant pis. Maintenant, je suis obligé de faire ça. Quoi. On s'est fait eu, voilà. On s'est fait eu, c'est pas grave. Du coup, maintenant, on le revendra moins cher que ce qu'on aurait pu. Bon, est-ce qu'on a tout fait ici? Tuer les vaches, ça me semble pas très intéressant. Ici, on était venu, là. Quoique, attendez, on va voir. Pour être sûr. Non, y a rien. Non, y a rien, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc ici, on est déjà venu, on est d'accord. Là-bas. Est-ce qu'on est allé là? Oui, on est allé là. Non, on n'était pas venu là. Parfait, tiens. Comme quoi, faut vraiment regarder partout. Voilà, allez, des pesetas. Allez, combien? 1000 pesetas. Et voilà. Allez, donc 1000 pesetas, ça doit faire... en euros, ça doit faire même pas 10 balles, quoi. C'est énorme, quoi. Un coffre énorme avec plein de pièces. 10 balles. Voilà. On a eu 10 balles. Ah, mais le gameplay, j'ai encore du mal à m'y faire. On va peut-être que je regarde si on peut, s'il y a moyen de modifier les touches. Parce que là... Ouh, c'est quoi ça? Ah, une spinelle, c'est bien. Je sais pas comment ça se revend, ça, au marchand, mais c'est forcément pour le marchand. Hein. Ça, on est d'accord. Hein. Voilà, donc là, on est d'accord. Je suis venu là. Je peux faire quelque chose. Ah, attendez. Non. Non, il veut juste faire l'amour avec la porte, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Alors, ça veut dire que je dois pouvoir le pousser, mais de l'intérieur. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Non, attendez. Mais non, je suis bloqué là. Attendez, je comprends pas là. Attendez, il y a un truc à côté ou pas là? On peut pas passer par là, on est d'accord, non. C'est quoi ce bordel? Attendez. Attendez, il y a une caisse ici, là. Attendez. Mais je peux pas y aller, pourtant. On est bien d'accord que là, c'est bloqué. Ben oui, ben alors. Quelle est cette diablerie? Attendez, c'est par le haut. Ah, c'est par le haut. Attendez, mais... Ah, mais alors. Attendez voir, là. Et pourtant, je suis venu là, tout à l'heure. Attendez. C'est là? Je comprends pas. Mais non. Attends, voir, c'est là? Ah putain, c'était là! Oh là là, j'y crois pas, il fallait se faire tomber pile poil là! Ah la vache! D'accord. Oh! Vous avez obtenu chope. Une chope de bière, Igor! Et que ça saute.
Ah, mais voilà, c'est... En fait, on le pousse de là, voilà, c'est ça, putain. Et comme quoi, il faut vraiment, vraiment... bien regarder, hein. Bon. Donc, du coup... là-bas, ça, j'avais visité. Par contre, est-ce que j'ai eu tous les médaillons, là? Combien on a eu de médaillons, là? Je pense qu'on les a tous eus, hein, je vois rien. On va dire qu'on les a tous eus. On va dire ça. Donc la question c'est... Ah mais là je peux même pas passer du coup. Allez, enfin, ah il faut que je revienne dedans. Ah mais ça m'intrigue. Attendez, je vais d'abord essayer ici pour voir s'il y avait bien de passage ou alors si c'était une connerie. Voyons. Si je retourne à cette porte... passer ici ou... Ah mais oui. Ah non. Impossible de l'ouvrir. Ah c'est son pour plus tard. Il doit y avoir un barreau de l'autre côté. Ah c'est plus tard alors. Peut-être que si quelqu'un m'aide j'arriverai à passer par-dessus. Ah ou alors non c'est quand on sera avec Ashley. Tiens ça m'étonne. Je pensais pas qu'on revenait ici quand on sera avec Ashley. Ouais parce que quand on est avec Ashley le gameplay change un petit peu. On peut se faire à la courte échelle et tout, toutes ces conneries. Uncharted évidemment. Donc c'est forcément par là qu'il faut aller. Je vais avancer mais doucement, on va pas non plus trop aller vite. Là je pense pas qu'il y a un truc à faire avec ça. Examiner. Non non. Quand même pas déconner, on est en 2005. Hein. Oh putain c'est... Alors attention, QTE Land. QTE Land. Faut pas se planter. Sinon on crève. Hein. Alors attention. Oh. Oh mais ça m'a écrasé. Quoi? Oh putain mais pour... comment j'ai raté? Et pourtant le pire c'est que c'était quoi? C'était... c'était croix et carré. Mais en même temps... Putain. Ah me recommence de là. Ah mais ils sont sympas. Ah bon ça va, j'ai rien dit. Bon, ils sont sympas. Bon, ça veut dire qu'on a également des checkpoints en plus des sauvegardes. Bon. C'est quoi ce bordel? C'est bien croix et carré là. Oh merde. C'est une catastrophe, Thérèse. Thérèse, c'est une catastrophe. Alors là, c'était R2 et L2. D'accord, ça change. Ok, bon. Donc, L2, R2, le carré et la croix. Attention! Attention à la bouboule! Ah, c'est bon là quand même! Ah putain! Le pire, c'est que je m'en souvenais, quoi. Je m'en souviens de ce QTE pourri et je réussis à me faire toucher. C'est quand même assez splendide. Hein. Putain, attendez, est-ce qu'il y a moyen de modifier la visée là? Parce que sinon... moi je trouve qu'il y a un souci quand même. Je vais vraiment trop galérer quoi. Ah, tant pis, je laisse tomber. C'est les spinels ça encore? Ah d'accord. Ça du coup c'est important. Vous verrez qu'on aura besoin d'argent. Hein. Pour améliorer les armes et tout. C'est important. Il n'y avait pas une autre? Non. Tiens, je croyais en avoir vu trois. Oh. Oh putain, je crois savoir ce qu'il a dans les mains. Notre pote. C'est un bâton de dynamite. Ah mais il s'enfuit. Ok si tu veux. Moi je passe par là. Hein. Oh putain. Non, mauvaise idée. Oula putain, attention, on va battre en retraite. Voilà, ils sont dans la maison là. Ils sont dans une espèce de petit cabanon. Est-ce
Sauf que l'autre il est parti, je sais pas où il est parti. Attendez, ce que je vais faire. Ah mais ça a pété là. Ah mais ça a pété en fait ici. Ah mais ça a pété. Ah mais c'est lui qui me les a balancés, d'accord. Oh putain. C'est bon, parfait, s'il continue à jeter là. Oh, hit shot direct, c'est magnifique. Attention. Il y a des spiders là, je sais pas si je peux les tuer. Ah oui, je peux les tuer, tiens. Par contre, là il y a des pièges. Il me semble que je peux les activer. Hein. Ah oui, c'est ça, voilà. Ok. Donc attention aux pièges ici. Il faut faire très attention ici. Je me souviens, j'étais mort plusieurs fois. Je suis mort plusieurs fois ici. Hein. Lors de ma première partie, donc. Je m'en souviens de ce passage. Je vais essayer de run de l'autre côté là-bas. Avec un petit peu de bol, ils vont s'exploser. S'ils tirent dans la cabane. C'est là. Vas-y, ici. Vas-y, je vais le laisser faire. Non. Allez, vas-y, balance-toi dans la cabane, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez quoi? Je vais tirer sur la dynamite. Oh! Putain, ça a marché. Ça a marché? Oh, magnifique. Oh, merde. Putain, j'ai tiré dans les couilles ou quoi, là? Oh, ça a pété. Merde. Oh, putain. Non, c'est bon. Je suis sous pression là. J'ai comment munitions? Non, munitions ça va. J'ai 30 cartouches et le pompe. Il faut pas que j'oublie le pompe surtout. Si jamais que je vois que je suis dans la merde, le pompe. Là on est pas mal. De vieux livres. On s'en tamponne le coquillard en 8. Putain, mais pourquoi tu vises comme ça? C'est insupportable. En fait, quoi? Mais putain, c'est énorme! Mais je rêve! Putain, mais vous avez vu? Alors là, franchement, ok. Bon, je vais passer un petit coup d'œil contre le jeu. Non, mais c'est énorme, quoi. Non, mais c'est énorme. Ce qui vient de se passer est énorme. Je suis presque mort. Non, pas encore, ça va. Est-ce que j'ai... Je pourrais utiliser des œufs, du coup, là. Ouais. L'œuf doré, du coup, vu qu'il remet toute la vie, je vais le garder. Je vais utiliser, c'est quoi? Ça, c'est les œufs bruns, là. Voilà, œuf de poule brun. Donc, lui, combien il donne? C'est les plus pourris, c'est ça? Guérit une partie des blessures, voyons. Ah non, putain, c'est bien, ça! Attends, c'est eux les plus pourris, sûrement. Attends. Guérit... Ah non, c'est eux, d'accord. Non, les plus pourris, c'est les blancs. Après, t'as les bruns. Et après, tu as les dorés, voilà, c'est ça. D'accord. Eh, mais attends, ça marche vachement bien, en fait, les œufs. Eh. Ça guérit à donf. Donc oui, putain, vous avez vu ce qui s'est passé? Là, je me suis dit, on sait jamais s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Donc je voulais comme ça essayer, et malgré ça, malgré que je pensais qu'il y avait quelqu'un et tout, je me suis douté. Malgré ça, il m'a eu, quoi. Alors j'ai tout fait pour essayer de le voir. Ah, mais voilà, quoi. Voilà, évidemment, c'est compliqué, hein. Je peux pas l'ouvrir, ça. Évidemment, c'est compliqué. La porte est clouée, oui, tu m'étonnes. Et on bondit! Bon, donc du coup, l'attention. Attention au C4 et attention au piège à gros ours. Il faut orienter la caméra vers le bas. Parfait, ça.
J'entends un bruit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tape contre une porte. Ou c'est moi. C'est là ? Non mais ça, je pense que ça c'est la suite. Alors attendez. Je vais d'abord voir si j'ai rien oublié. Il n'y aurait pas des médaillons ici. Il n'y a pas des médailles, c'est ça. Ah, attendez. Ah, on peut pas le péter, ça. Ah, putain, si on peut le péter. Oh, un œil de chat rouge. Ah, mais c'est pour mettre... C'est pour incruster dans un objet. Ouais. Ça s'incruste dans une couronne ou quelque chose, et du coup, on peut le revendre plus cher. Ah, putain, c'est vrai que dans les arbres, il y a les nids qu'on peut péter. Ah, j'ai dû en rater déjà. Putain, c'est vrai qu'on peut péter les nids comme ça. Il faut vraiment regarder partout. Hein. Est-ce que j'aurais pu rater des trucs? Ben non, parce que je suis arrivé là. Donc, non, c'est bon en fait. Je pense qu'on est bon là. À moins qu'il y ait un truc là-bas au fond, mais. Non, c'est bon. Non, mais on est bon. Hein. Let's go. Attention, il se passe quoi là déjà? Je sens qu'on va pouvoir sauvegarder, ça c'est cool. On en profite pour recharger un petit coup. Alors avant, je vais quand même prendre tout ce qu'on peut prendre partout. Combien de pesetas ça? 1000 pesetas, señor. C'est 1000 pesetas. Allez, on sauvegarde. Bon. On est pas mal. Vous voyez, là déjà, je me rends compte que je dois un petit peu mieux jouer qu'avant. Parce que ce passage-là, je m'en souviens très bien, je suis mort plusieurs fois. Le coup des bâtons de dynamite, on m'a dynamité la gueule à plusieurs reprises, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc là, ce passage-là, je l'ai passé du premier coup, ce qui veut dire que peut-être je joue un petit peu mieux, ou je suis plus prudent, ou je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Voilà. Alors attention. Ah putain. Mais là du coup je fais comment? Je suis obligé de tirer dessus, on est bien d'accord. Parce que je peux pas me baisser. Je peux pas le désamorcer. Non, je peux pas le désamorcer. Non, je crois que je suis obligé de tirer dessus. Hein. Je crois que je suis obligé de tirer dessus, dis donc. Putain, j'ai tellement de mal avec le gameplay, sérieusement. Oh, il va vraiment falloir que je m'y fasse. Quoi ce bruit? Je sens qu'il y a un zombie qui va sortir de quelque part, peut-être là, de là. Là, ça. Ah, s'il faut, c'est là, attendez. Bon, d'abord, on va regarder ici. Bon, je vais faire sauter le plastique, c'est pas grave. On va faire péter le détonateur. C'est pas vraiment du détonateur, en fait, c'est de la dynamite avec un câble, évidemment, qui les tient. Ah non, attendez, c'est ici qu'il y a le truc, attendez, c'est là. Ah, nickel, de l'herbe verte. Par contre, là, je commence déjà à être quasiment plein. Hein. Putain, mais ça va tellement vite, c'est incroyable. Bon, faut pas oublier, par contre, que j'ai des grenades. Hein. À utiliser aussi, les grenades. Hein. Et je vais pas faire la même connerie que ce que je fais dans les autres épopées. Enfin, je suis obligé de le faire. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un zombie juste derrière. Je vais me préparer à me pousser. Non, il n'y a rien. Ah non, mais c'est ça le bruit. Ah, mais non! Ah, mais c'est l'autre handicapé! Ah non, mais non, c'est pas un zombie, c'est. Ah, je sais plus comment il s'appelle là. C'est le gringo! C'est ça. Little rough, don't you think? C'est Aragorn! C'est Aragorn, putain. Aragorn, mais qu'est-ce que tu fous là? Ok, I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese.
comme une mouche. Oh. Il a remis à sa place, mais alors comme une mouche. Hein. Quoi? Ah, mais attendez, fin du chapitre 1-1. Taux de coup au but, 82%. Ennemi tué, 24. Et on est mort deux fois. Ah, mais oui, mais c'est nos deux morts, mais là, ça compte pas. Attendez, ça compte pas, faut arrêter de déconner. Là, je suis mort deux fois sur le QTE pourri du rocher. Le pire, c'est que je savais en plus qu'il y avait un rocher, quoi. Mais non, c'est le QTE, ça. Ça, vous voyez, ça, c'est l'époque. Ça, c'est l'après Shenmue, quoi. C'est l'époque où les Japs, et notamment Capcom, s'étaient dit « Je sais bien comme ça de mettre des petits QTE n'importe quand. » Et voilà, résultat, Resident Evil 4 QTE. Alors qu'en fait, non, évidemment, c'était pas bien. Dans Shenmue, ça passe, parce que c'est le premier à avoir fait ça, c'était en 99 et tout. Ok, très bien, mais après, il fallait arrêter, quoi. Capcom n'avait pas encore compris. Évidemment qu'on sauvegarde. Cette musique est excellente. Mais on n'a pas encore vu le marchand, c'est dingue ça. Complètement glucose ça. C'est ça, comment il s'appelle déjà le perso là qui nous accompagne maintenant? Enfin, il nous accompagne pas, qui est avec nous là. Unable to resist this intoxicating power. Tu m'expliqueras comment l'œuf, parce que c'est un œuf de Plagas, hein, est passé à travers la toute petite aiguille. Hein. And into another. Pauvre Léon. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a Americano? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking about the president's daughter. Mais c'est tellement Aragorn! And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a Ah oui, Luis Serra, putain, c'est ça. Quite a ladies man. Why'd you quit? Fuf, policia. You put your life on the line. Gaffe les mecs, il y a une espèce de cafard sur la poutre. Attention, protégez-vous. Il arrive. Used to be a cop myself. Only for a day though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore Amata. Do something, cop! After you. Now! L'effet de ralenti. Je m'en rappelais. Quand je l'ai vu arriver avec sa hache, je me suis souvenu qu'il y aurait un QTE à ce moment-là. Voilà, c'est... Encore une fois, une QTE dans une cinématique. Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? Fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Eh oui, je me rappelais de ce QTE, vous m'avez pas eu. Bien sûr, vous aviez cru que j'allais me faire avoir. Hein. On me l'a fait pas, moi.
que dalle ici. Donc là, c'est notre première rencontre avec Louise, quoi. Ah, Stranger. Ça y est, notre dealer attitré, il est là. Profitez pour sauvegarder, tiens. Par contre, j'ai grave envie d'aller pisser là depuis 5 minutes. Mais bon, c'est relou parce que là, je peux pas faire de coupure en fait. Bon, je fais pas de coupure, je reviens dans une minute. Je vais me manier. On va se manier d'aller pisser, je reviens. Manions-nous. On est back si ça fonctionne. Ouais, ça doit être bon. Allez, on s'installe et on est reparti. Ah, j'en pouvais plus, j'ai une envie là. Et le fauteuil qui grince. On ne s'y habitue pas. Donc, sauvegarde réussie. Mais c'est très bien ça. Tant que la sauvegarde est réussie, c'est le principal, pas vrai? Donc, où est notre dealer? Est-ce qu'on a tout pris ici? Oui. Juste à côté. Je crois que je m'en souviens en plus de ce passage. Oh là, c'est l'espèce de mine là. Ah putain, derrière, je suis mort pas mal de fois aussi. C'est corsé. Hein. C'est corsé derrière. Ah, mais ça y est, il a enlevé son bombardier. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Qu'est-ce que... Attendez, je vire un autocollant qu'il y avait sur... Attends, c'est quoi ça? Attendez. Un vieil autocollant tout pourri. Non, c'est le truc de Sony. Oh, c'est l'autocollant Sony qui est collé derrière les... Ah, dégueulasse! Qui est collé derrière les pads là, qui est en train de se virer. Ah, oh, c'est dégueu. Bref. Oui, ah mais voilà, donc le marchand. Allez, je vous explique ça du coup en deux secondes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, c'est vachement important, c'est un personnage qu'on rencontrera régulièrement, quoi, évidemment. Hein. Alors évidemment, on ne sait pas trop qui il est. Ça, c'est ça. Ça a toujours été un mystère. Hein. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il peut atteindre tous les endroits. Enfin, voilà, encore une fois, c'est là qu'on voit que c'est un jeu vidéo, c'est pas du tout réaliste. Parce que là, sinon, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais c'est pas grave. Ça me fait penser qu'il faut que je rebaisse le son qui est encore trop fort. On va le mettre comme ça. Ça ira mieux. Et donc, en fait, avec lui... Ah, mais il nous demande s'il y avait des médaillons bleus. Voilà, ça, c'est intéressant. Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons. Ah, c'est lui.
Ah, voilà, il nous vendra une arme spéciale. Voilà, je sais plus du tout ce que c'est. C'est parfait. Donc on verra si on peut se faire les. Ah mais du coup, je crois que c'est raté là, parce que. Mais non, non, parce qu'on n'est pas encore au cimetière. Non, et il y a des médaillons au cimetière, donc c'est bon. What are you Donc du coup, selling? c'est là où on peut vendre toutes nos conneries, acheter des trucs et surtout optimiser nos armes. Voilà. Donc je vais regarder si je vends des trucs. Ah, les grenades se vendent pas mal, hein, c'est 2000. Je vais peut-être en vendre une, tiens. Ouais, comment je fais pour en vendre seulement une? Je sais pas. Et les œufs. Ah, putain, les œufs dorés, ça se vend 3000. Ah, pas mal. Intéressant. Et le spray, 2500. Ah. L'œuf se vend 3000. Ouais. Et quand je vois tout ce que m'a redonné l'œuf de poule brun. Ah, j'hésite là. Est-ce que ça vaut le coup de le vendre ou. Parce que bon, l'œuf de. Ouais, je pense que je vais le vendre, l'œuf doré. Hein. Ouais. Je vais le vendre, l'œuf doré. Donc, vas-y, je le vends. Oui. Ouais, je le vends. Le spray, je vais le garder. Ah, la spinelle, ça c'est à vendre, c'est sûr. Voilà, ça fait 14 000, c'est parfait. Dans l'œil de chat, je suis persuadé. On pourrait le vendre maintenant, mais. Ouais. Ah, bah attendez, il nous le dit d'ailleurs, non? Voilà, c'est ça. Donc, on va attendre. Il faut trouver quelque chose. On verra, je sais plus du tout ce que c'est. Loul. Ah, bah attendez, s'il faut, c'est la chope de bière. Ah! Ah, mais non, c'était pas une couronne, c'est la chope de bière. Mais comment je fais pour le. Attendez. Eh oui, trois renfoncements sont visibles sur le côté. Ah! C'est dans la chope de bière qu'on fout les œils de chat. Mais comment ça fonctionne? Bon, on verra après. Voilà, le pendentif, mais voilà, le pendentif du coup. Et voilà. Parce qu'il est sale. S'il avait été propre, je sais pas comment il l'aurait repris, mais sûrement bien plus que 1000. Mais là, je me suis fait avoir. Is that all, Eh ben, stranger? c'est pas grave. Thank you. Ouais, je vais au moins vendre une grenade parce qu'en plus, ça prend de la place. Is that Donc, all, une, oui. Thank you. Voilà. Et le reste, je vais le garder. Ouais. Le reste, je pense qu'on va le garder. What are Donc, you qu'est-ce buying? qu'on peut acheter? Ah, mais attendez, la mallette, c'est parfait. Voilà, ça c'est pour augmenter Is that l'emplacement. all, stranger? Donc ça, oui, ça c'est obligatoire à chaque fois. Thank you. Voilà, c'est magnifique. Ça augmente évidemment notre nombre de slots, c'est important. Bon, ça, la carte au trésor. Ouais, bof. Tu nous proposes un fusil à verrou calibre. Ouais, non. Ah, fusil pistolet mitrailleur. Une petite mitraillette. Là, et on voit à gauche toutes les stats. Ouais, c'est vrai, putain. Ah, mais déjà, tu nous vends le lance-roquette, toi? Ah, ouais. Mais ça c'est que pour les boss. Évidemment, 30 000 pesetas, c'est que pour les boss. Et tu nous vends les lunettes pour le fusil. Et tu nous vends un spray, sauf que tu n'as plus de stock. Loul. Ouais, non, mais je pense pas, de toute façon, on va attendre. Hein. Ouais, parce que. En fait, à chaque fois qu'on le revoit par la suite, ils nous vendent des nouveaux trucs. Donc pour l'instant, on va attendre. Bon. Et donc optimiser, c'est pour. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Putain, ça me revient maintenant, c'est ça. C'est exactement ça. On peut améliorer la puissance, la cadence de tir, la vitesse de rechargement. Et évidemment, le nombre de balles dans le chargeur. Ouais. Mais je préfère ne pas le faire. Il vaut mieux attendre d'avoir, ouais, une meilleure arme et tout. Plutôt. Parce que là, si je commence à le faire là, après je pourrais pas, donc il vaut mieux attendre. Même si je suis quand même tenté de le faire, voyez, pour le pompe, hein, mais bon. Ça coûte vachement cher, c'est 15 000, putain. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Par contre, comment je fais? Comment je fais? Est-ce que c'est là? Ah, attendez, c'est là. Alors, attends. Est-ce que c'est ça? Examiner. Ah non, c'est combiné. Combiné. Ah putain, c'est ça, voilà. Voilà. Et donc là, je pense que là déjà il va me le rendre plus cher. Mais je dois pouvoir attendre. Je dois pouvoir attendre encore comme il le reprend là. Ah, 10 000, et ouais, 10 000.
Ouais, mais on va attendre du coup. Ah oui. On va attendre si on trouve les deux autres œils de chat. Il nous reprendra encore plus cher. Donc évidemment que on va attendre. Bien. Ok. Let's go. Par contre, est-ce qu'on est bon au niveau de la place et tout? Ouais, on va dire que c'est bon là. Bon, c'est un petit peu le bordel. Je devrais peut-être commencer à. Comment je fais déjà? Utiliser non. Attends, je réfléchis. Hein. Non, je veux le. Comment je putain? Ah non, c'est le triangle. Alors en fait c'est triangle. Et voilà, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est ça? Munition de fusil. Ah mais je m'en fous, j'ai pas de fusil. Je devrais les vendre ça parce que ça prend de la place pour rien là. Munition de fusil. Bon, je vais les garder pour l'instant, on va les foutre là dans le coin, mais bon. Je vais essayer de mieux stocker toutes mes conneries. Hein. Voilà, les grenades, on va les foutre ensemble. Quand ça en est resté, on va. Voilà, le soin, on va le foutre là. Donc le soin, c'est tout ça. Même si bon, ça sert pas forcément à grand chose de faire ce que je fais, mais bon. De toute façon, pour me soigner, je prendrai d'abord les œufs. Hein. D'abord les œufs et ensuite les herbes. Mais les herbes, le problème, c'est que là, il me faudrait des herbes rouges et jaunes. Sinon, je vais toujours être dans la merde, là. Et voilà, j'ai encore une herbe que je sais pas où mettre. Je vais la foutre en bas. Voilà. Je peux les combiner, là, ou... Non, parce qu'en fait, c'est 15 maximum. Ah oui. C'est 15 maxi... Voilà. Bon. On va se laisser comme ça. Voilà, c'est tout mignon comme ça. Et voilà. Si ça c'est pas du bon gros rangement, je m'y connais pas. On va les re-sauvegarder parce que je sens que je vais crever là derrière. Je m'en souviens de cet endroit. On va d'abord aller voir s'il n'y aurait pas des trucs à choper. Tiens, là par exemple. Ah, c'est encore une herbe verte. Tu peux pas me filer une rouge, hein, ça c'est trop dur. Hein. Il nous manque carrément. Ah, ça c'est des mauvais souvenirs, je vous le dis. Hein. Très mauvais souvenir cet endroit. Et on va re-sauvegarder. C'est quoi ce bruit? Ça fait flipper! J'ai baissé le son aussi parce que là, dis donc. Vous n'allez pas m'entendre. Hein. Je vais foutre le son comme ça. 40, ça ira. Allez! Let's go! On va essayer de ne pas mourir. On va essayer. Putain, mais pourquoi tu vises par là, bon Dieu? Tiens, les deux à la fois. Ah, putain. Ah, putain, j'ai pas réussi à le choper. Putain, de putain, de putain. J'ai eu de la chance. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tous sauté avec leur dynamite. Pourtant, je les ai même pas touchés. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, disons. Ça va? Headshot. Coup critique. Et je pense que je vais encore baisser le son parce que là, l'audio il a été augmenté. Je fais n'importe quoi. Je suis mort, non? Non, je suis pas mort. Incroyable.
Faut que je me casse d'ici, hein. Je fais une hop. Ça c'est pas mal. Faut que je me casse d'ici. Je vais choper tout ça. Je n'ai plus de vie. Mais j'ai plus du tout de vie là. Ok. Je n'ai plus du tout de vie. Hein. C'est loin de prendre des œufs. Donc les blancs c'est les plus pourris. Voyons un peu, on va faire le blanc pour voir. Ah c'est vrai que ça rend de la merde. Je vais en prendre 3 du coup. Voilà. J'ai eu du bol de pas crever. Hein. Alors attention. Là-bas il y en a 3 qui se ramènent. Oh merde! Le con! Pouh, j'ai eu de la chance! J'ai un petit peu de bol quand même. Ok. Petit enculé. Petit enfoiré. Cool. Il s'est fait péter, non? Non. Attendez, là je pense que... Peut-être qu'on peut utiliser le peupon, hein. Voilà, on fait parler un petit peu la poudre. Ah putain! Je pensais que je l'aurais eu, mais non, il m'a touché avant, c'est pas grave. Espèce d'enfoiré. Mais putain, t'as pas le temps de viser quoi, c'est ouf hein. Mais genre t'es pas mort là, mais... Peut-être si j'y arrive sans mourir, franchement, ce sera assez incroyable. Qu'il est mort lui. Lui attendez, il a de la dynamite dans les... Oh putain mais non, mais attendez, ils arrivent à l'infini. Oh mais attendez, il y a un bidon. Loul. Bah écoutez, ça fonctionne hein. Ma technique fonctionne. On va économiser des balles. Parfait. J'avais complètement oublié les bidons explosifs par contre. Il va peut-être falloir que je me soigne par contre. T'arrêtes de bouger. Ok. On est pas mal. Faut rester concentré surtout. Donc attendez, que je réfléchisse là. Alors là je peux sauter. Alors attends. On va passer. Mais putain, mais c'est ouf, ils arrivent à l'infini. Hein. Ah mais non, ils sont plusieurs encore, mais c'est dingo, ça.
Mais ça n'a pas marché. Mais putain, mais c'est quoi ça? Mais j'aurais dû... C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réussi à lui faire le savater, j'ai pas compris là. Bon, je n'ai plus de vie par contre. Je n'ai plus de vie. Putain, cette tension de ouf. Ah oui, putain, mais c'est vachement bien en fait, les œufs bruns. Ça mange du tonnerre, ça. Y'a quoi là-dedans? L'emblème partie gauche. Ah, si tu veux. Attendez, j'ai baissé un petit peu le son. Autant de mon côté que du vôtre, parce que là, on s'entend plus. Je vais le mettre à 38. Et je vais le baisser de mon côté, c'est dingue ça. Je crois qu'on a encore droit à un mixage audio comme particulièrement dans les chaussettes. Hein. Est-ce que toi, si je tire sur ton bâton de dynamite, pourquoi tu vises là-bas? Putain, c'est insupportable. Est-ce que tu vas péter avec? Oh putain! Magnifique. Est-ce que je saute? Allez, je vais sauter. Allez. On va faire n'importe quoi. On est pas mal. Donc. Là, c'est bon. Toi. Donc là, en fait, je reviens ici. Donc c'est inutile. Il me semble qu'on pouvait passer en bas. C'est bien ce que je pensais. On pouvait passer par là. Bon, apparemment, il n'en reste plus que un. C'était pas mal là. En plus j'ai quasiment pas utilisé le shotgun, donc ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'il peut ouvrir les portes? On va voir. Ah oui, ils peuvent, putain, ils peuvent. Ils peuvent. C'est énorme comment ils essayent d'esquiver les balles. Parfait, ça c'est magnifique, bien joué, en une balle, je me suis fait les deux. Là on est bon. On doit se choper ici. Oh le con. Qu'est-ce que tu fais là grand-père? Ok, c'est pas mal. Tu me laisses rien. T'es radin, grand-père. C'est pas bien, ça. Moi, j'appelle ça une échelle. Par contre, si le bonhomme, il est toujours là-haut... Ah bah oui, il est toujours là. Ah non! Quel enculé. Excellent. Alors, emblème partie droite. Ouais, mais alors je sais plus du tout à quoi ça sert là. Il va falloir les incruster quelque part, c'est sûr. Oh! Oh! On a réussi, je crois. La musique s'est arrêtée. Eh bien bravo. Parce que là, je me rappelle clairement qu'à l'époque, il m'avait fallu plusieurs tentatives pour y arriver, j'en suis sûr. Je suis mort plusieurs fois ici. Hein. C'est certain. Hein. Eh bien c'est magnifique. J'y suis arrivé, je ne suis pas mort. Je suis content de moi. Donc maintenant, il va falloir ramasser toutes les conneries. Est-ce que je soigne maintenant ou est-ce qu'on attend? On va attendre un petit peu. Pas mal, là, je suis content, là, c'est bien. C'est cool. Ah, mais c'est vrai qu'on peut faire tomber les échelles. Oh, putain, c'est vrai qu'on peut faire tomber les échelles. J'avais complètement oublié ça. Effectivement.
On peut faire tomber les échelles, dis donc. Donc, attendez, est-ce que j'étais venu là? Mais oui, c'est par là que je suis venu, d'accord. Donc du coup, vu que j'ai pris l'échelle, je suis pas allé de l'autre côté. Et ça, on peut pas l'ouvrir, ça? Non, on dirait un casier. Ah, mais oui, on peut l'ouvrir. Oh! Oh! Grenade aveuglante. Une petite grenade flash. Et donc là, en fait, je reviens ici. Et il n'y a que dalle, bien sûr. Et donc en là, je reviens là. D'accord, ok. Donc. Ah, je suis content. Hein. Je sais pas si c'était un coup de bol ou parce que j'ai particulièrement bien joué. Bon, après, je me la suis joué plutôt safe. Hein. On est d'accord. Mais bon, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Et donc là, il y a une échelle. Alors attends. C'est un truc en haut là. Y'a rien ici? Attends. Ah. Pour 5 cartouches de pompe, ça valait le coup de venir ici. Je regarde si j'aurais oublié des trucs. Ah bah oui, en face j'y ai pas été là. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais, Léon? Léon? Léon! Léon! Tu sais à quoi de venir, là? Ah, c'est pas là qu'il faut les foutre, les machins. Ah, mais c'est ça, c'est juste qu'il faut que je le... Il faut que je les combine. Ah, mais d'accord, il nous le met carrément. Si on était trop con pour l'avoir compris, il nous le met, hein. C'est là. Mais avant d'ouvrir, je veux juste être certain que j'ai tout fait, mais je crois que j'ai tout fait. Je crois bien qu'on a tout fait, là, parce que... Ouais, là, j'y étais, peut-être pas en bas, là. Si. Oh, si, je crois que c'est bon, hein. On a peut-être oublié un truc, en haut, c'était bon aussi. Non, c'est bon, let's go. Je devrais peut-être retourner sauvegarder, par contre, hein. Allez, non, mais je prends un risque, là. Je prends un risque. Ah, putain, oui, d'accord, qu'il faut le prendre. Oui, mais on a compris. Utiliser. Je prends un petit risque. Hein. Oui, mais oui. Je pense qu'on va bientôt arriver au monstre du lac. Et là, autant dire que ça ne rigole pas. Je m'en souviens encore. Je suis quoi au niveau munitions là? Oh, putain, attendez, mais le pompe là c'est parfait. Le pompe c'est magnifique. Je vais pas prendre de risque du coup. Attends, là je sens qu'il y a un ennemi là. Non. Oh, par contre, il me faudrait juste des herbes. Verte, rouge plutôt, et jaune, pas verte. Et heureusement, j'en ai pas. Il me file du pognon, c'est bien gentil, mais c'est pas ce que je veux. Là, je sais plus trop où on va, là. Là-bas, il y a un truc qui clignote. Et du coup, je vais re-augmenter le son. Il faudra que j'augmente et que je baisse le son en fonction... Ben, en fonction, évidemment, de l'audio, là. Attends. Je vais reprendre mon flingue, du coup. Non. Pourquoi ils l'ont associé à la touche triangle, cette connerie? Ça n'a pas de sens. On va faire comme ça. Alors, il y a un truc là-bas, sauf que... Est-ce que je peux lui tirer dessus, là? Non.
Bon, je suis prêt de l'autre côté. Ça a pas l'air d'être par là. Hein. Ah, ça m'étonne. Ah ouais, faut peut-être pousser. Non, c'est pas là. Il y a pas un passage secret derrière la caisse quand même. Ah, ça m'étonne. Ah, attendez, quoi que. Attends, je vais laisser venir. Je te laisse venir, Billy. Excuse-moi, mais. Est-ce que tu peux venir au moins? Il va se ramener. Hein. Ça va? Hop! Tu sais t'accroupir. Bon, je vais me remettre de la vie parce que. Il y a quand même un léger risque. Ça me fait peur. J'aurais dû aller sauvegarder. J'ai fait le con. Hein. Qu'est-ce que je fais? Tant pis, je vais prendre juste un truc vert. Je sais même pas ce qui remet le plus là. Allez, tant pis, je prends juste une herbe verte. Voyons. Ouais, ça remet tout, c'est pareil. Je pense qu'un œuf brun et une herbe, en fait, c'est pareil. Bon, attention. Oh putain, il y en a une autre. Bon, je fais un petit peu la technique du faible, mais bon, écoutez. Ça fonctionne, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cette technique fonctionne. Ah putain, attention, l'autre il a une hache. J'ai pas envie qu'il me la balance dessus. Quel enculé! Mais genre, il était pas mort! J'étais persuadé qu'il était mort, mais c'est incroyable! Ils sont plus résistants d'un seul coup. Mais c'est ouf! Comment il est resté longtemps sans sa tête? Ah putain, avec le bras levé, c'était excellent. Et je vais rebaisser le son. Le son, je vais le laisser à 40 parce que là, c'est plus possible. Je vais le baisser, ce son. Voilà. On va le laisser comme ça. Ah, mais c'est dingue, là, comment ils sont résistants. J'étais persuadé que le vieux avait trépassé, mais en fait, pas du tout. Alors, attends, je peux passer par là. Oh attention, parce que ça me dit quelque chose là. Cet endroit me dit quelque chose. Ils sont là-bas, ils sont derrière. Oh putain les cons. Oh putain. Oh putain, j'essaie de viser une dynamite, tiens. Ils sont morts? Non, toi, trop tard. Ah bah c'est bon en fait, il les a tués. Ah bah c'est bon. Attendez, c'est parfait. Ah bah c'est bon, attendez, c'est parfait. Je crois qu'on était pas... Oh putain, il y a des pièges. Ah oh putain, il y a des pièges, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Attendez. Ah ben voilà, tiens. Loul. Putain, mais ils viennent d'où? J'entends des bruits, mais je vois rien. Ouais, c'est bon, je l'embarque. Ah, oh, il y en a encore.
Allez, putain, qu'est-ce que c'est chiant! Ah, le con! Putain, j'ai trop envie de le faire de là, ce con. Putain, mais genre quoi, putain, le nombre de balles qu'il faut, c'est ouf, hein. Ah, mais c'est dingo, hein. Combien, 3300 il a filé, lui? Attends, mais c'était un balèze ou quoi? Quand tu les tues pas, quand tu les tues pas en leur mettant un coup de pied puis le couteau, vous avez vu le nombre de balles qu'il faut. Par contre, là, attention, il y a des saloperies partout là. Mais genre, ils avaient rien ici? Tu déconnes là. J'avais plus de balles en plus. Attendez, j'ai envie de revenir parce que je me dis que j'ai dû oublier des trucs à mon avis. Je suis sauté par là, mais il y avait un autre endroit où je pouvais sauter. Et je l'ai pas fait. Si? Ah mais si en fait. Mais si, parce que c'était là. C'était là? Ah oui, mais si, ah mais non, mais j'ai rien dit. Ah ben non. Oui, donc en fait, je m'en fous. Ah non, donc c'est bon. Non, donc c'est bon, il n'y avait rien. Dans ces caisses, il n'y a rien. Ouais. Ça fait une heure, hein, c'est bon. On vient de dépasser l'heure. Donc on va s'arrêter. Hein. Mais écoutez, parti pas mal, là. Je suis plutôt bien démerdé. Et même si ça a quand même vieilli. Même si ça a vieilli. Eh ben, ah, mais c'était là, putain. C'était là que j'ai pété le bois d'ici. Et ça me permet de choper ça. Voilà, et ça, je me demande si c'est pas encore un truc où il faudra insérer des gemmes. Tiens, un masque élégant. Parce que ça me dit vraiment quelque chose. On va s'arrêter là. C'était quand même un putain de jeu. Parce que comment vous dire? Pourquoi ça fonctionne? Parce que les combats sont stressants et c'est pour ça que ça fonctionne en fait. Tu sais que tu peux crever vraiment vite, t'es obligé vraiment de réagir au quart de tour. Et le fait que Léon soit un petit peu rigide comme ça, qu'il ait un petit peu un balai dans le cul qui se dirige comme un 36 tonnes, finalement ça a son charme, même si aujourd'hui ça a vieilli, ça a son charme. On s'est dit, je préférais quand même quand il avait son bombardier. Hein. Là il l'a viré. Alors que je kiffais complètement son bombardier. Oh là là. On s'engouffre dans les... Si on est où dans... On va où dans les égouts là. Vous voyez, l'un des problèmes de ce gameplay vieillot, imaginons que là il y a un mob juste à côté. Mais là je peux pas le voir. Vous voyez, je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas le voir, c'est impossible. Je suis obligé d'aller comme ça, de tourner la cam, et là le mob il est obligé de me toucher. Voilà, vous voyez. Donc, en ce sens, bien sûr que ça a vieillot. Bien sûr que ça vieillit. T'es tout seul. Ah, bah c'est bon. Papy René, il est tout seul, hein. Allez, viens, je t'attends. Oh! Énorme, comment il est tombé direct. Alors là, par contre, on a deux chemins. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par là. Oh putain, ça. Non, j'aurais peut-être pas dû venir là. Si, bon, il y avait au moins ça. Il y a des trucs là-bas. Ah, si, je me fais devenir. Grenade. Et 1000 pesetas, je prends aussi. C'est tout, il n'y a pas d'autre passage là. Il y a juste des bons gros poissons. Putain, ils sont énormes. Ah là, non. On remonte. On va faire une petite pause. Est-ce que je monte d'abord? J'hésite. Est-ce qu'on monte là ou pas? Allez, je monte et on fait la pause. Juste pour voir ce qu'il y a au-dessus. Ah bah on est revenu où là? Ah bah d'accord. What? Ah d'accord. Ah mais c'était un puits. D'accord.
Oh! Ah, mais regardez! Ah, bon, là, du coup, on va pas se faire avoir. Hein. Ah, putain, il y en a un autre! Ah! Bon, mais là, du coup. Hein, je veux bien qu'on comprenne pour un con une fois, mais. Voilà. Et donc, là, surtout, n'examinez pas. Hein, parce que sinon, il va ouvrir le puits et il ne le remettra pas. Donc, non, vous voyez, il ne faut pas ouvrir. Non. Il faut tirer sur le pendentif. Et voilà. Et là. Ah non, c'est pas un pendentif, c'est une montre à gousset. D'accord, bon, c'est pareil. Et voilà. Et là, du coup, je pense qu'il va nous le reprendre beaucoup plus cher. Voilà. Écoutez, petite pause. Alors là, je ne me souviens pas du tout de ce passage. Là, ça ne me dit rien. Je ne m'en souviens pas du schtroumpf. Petite pause. Écoutez, est-ce que ça me plaît? Ben oui, ça me plaît. Ça me plaît. J'ai encore quelques difficultés avec ce gameplay, je ne vous le cache pas. Mais ça va de mieux en mieux. Je pense que plus le temps va défiler. Et mieux je jouerai, mieux je m'adapterai à ce gameplay vieillot certes, mais toujours fun. C'est ça. Vieillot mais fun. En gros, c'est ça. Vieillot mais toujours fun. Putain, incroyable. Et ce Léon a quand même une putain de classe. Allez, rendez-vous lors de la prochaine partie.